Les amis, le débat, la gauche, deux points, l'union fait la farce, point d'interrogation, c'est parti. Manon Aubry, Léon Desfontaines et Emma Rafovic avec Jean Massier. C'est à vous, la parole est à vous, on se voit tout à l'heure. Et salut à toutes et à tous, bonjour ! Ça va toujours Paul & Chill ? Merci les amis, merci à vous, merci à vous qui nous regardez aussi sur Twitch. Très content de vous retrouver pour la suite de ce festival. Évidemment, comment parler de politique sans parler de la gauche ? Comment parler de la gauche sans parler de son union ? De sa désunion. On va en parler, chers amis. Je suis très heureux d'inviter sur ce plateau trois jeunes. Et ça, c'est cool. Putain, enfin, trois jeunes pour parler de la gauche et de son état. On est avec Manon Aubry. Salut Manon. Manon, prends le micro par contre. Manon, pardon. Manon Aubry, salut tout le monde. Tu es députée. Ça va, tu me considères encore dans les jeunes ? Bah ouais, pourquoi t'as quel âge ? 33, ça va. J'ai 35, moi. J'ai 35 dans. Avec les jeunes, avec Cazeneuve, c'est jusqu'à 35. Ok, d'accord. Ouais, ça je crois qu'ils ont remonté la barre. Ouais, ça part comme ça, ouais. Chez les jeunes insoumis, je suis plus jeune, malheureusement. C'est ouais, bon, d'accord. Écoute, Manon Aubry, tu es députée européenne de la France Insoumise. Tu es coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Merci d'être avec nous. À côté de toi, on est avec Léon Desfontaines. Salut Léon. Salut. Merci d'avoir accepté de venir dans Paul & Chill. Bah, merci pour l'invitation. Léon, tu es la tête de liste du Parti communiste français pour les élections européennes de l'année prochaine. Tête de liste, chef de file. Chef de file, on choisit nos stratégies le 14 octobre, la semaine prochaine. Dans deux semaines. Oh putain, la subtilité. Ok, c'est bon, je l'ai. Et on est avec Emma Rafovic. Salut Emma. Salut Jean. Emma, tu es la présidente des Jeunes Socialistes. C'est ça. Merci d'être avec nous tous les trois. On a fait une table ronde tout à l'heure où on a parlé de l'Europe. L'intitulé, c'était l'Europe, pourquoi tout le monde s'en branle. Et on s'est posé la question, il y avait une réflexion autour de l'idée que les élections européennes étaient des élections qui étaient toujours un petit peu distanciées dans l'état d'esprit, dans le débat public, dans l'état d'esprit des gens. C'est difficile de mobiliser, les gens ne connaissent pas les visages des personnalités du Parlement européen, même si on se remarquait que c'est de moins en moins vrai. Et que ça, c'est cool d'avoir des députés européens qu'on voit plus dans les médias nationaux. Mais on se faisait cette réflexion que l'élection européenne était une élection particulière. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que les stratégies qui s'appliquent sur certaines élections sont réplicables sur les élections européennes ? Ou est-ce que maintenant, vous comprenez, c'est différent, l'Europe, c'est pas pareil ? Comment tu vois ça, toi, Manon ? Les deux sont intimement liés. Si on avait un président de la République NUPES, je me projette un peu, mais j'ai... Jean-Luc M. Peu importe. NUPES. T'auras remarqué que j'ai dit NUPES. On se projette un peu. Ce président de la République, il agira sur la scène européenne. Il ira au Conseil. C'est là où se réunissent tous les États membres. Mais il se trouve que c'est là où il y a le plus de pouvoir sur la scène européenne. Non pas que les députés n'ont pas de pouvoir. Je te prends un exemple. On va voter dans un mois un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, ce qui est une dinguerie totale, faire venir du lait de 20 000 km de l'autre bout du monde, produit avec des pesticides interdits en Europe. Bref, je ne fais pas le pitch ici, mais c'est un peu mon obsession du moment. Si le Parlement européen vote contre, c'est fini, terminé, il n'y a plus d'accord de libre-échange. Mais c'est vrai que les rapports de force pour changer les règles fondamentales, le tout marché, toute austérité en Europe, ça se joue du côté des États membres. Et si on avait un président de la République, au hasard, NUPES, il agirait sur la scène européenne, donc il faut bien qu'on se mette d'accord sur les questions européennes. C'est la raison pour laquelle on avait déjà commencé à traiter ça dans le programme de la NUPES il y a un an, sur lequel quand même on a fait élire 151 députés, c'est pas rien, et sauf à avoir menti aux gens, on leur a promis un programme commun, des éléments communs sur les questions européennes, et maintenant il s'agit de le traduire en fait. Alors Emma en parlera certainement, les jeunes ont fait un super travail pour approfondir ce travail programmatique, mais toujours est-il, pour finir de répondre à ta question, que notre président de la République, NUPES, il devra agir sur la scène européenne, et j'espère, en lien avec le programme sur lequel il aura été élu, et oui, l'élection de 2024 s'inscrit aussi dans cette démarche, à la fois pour notre crédibilité à agir sur la scène européenne, mais aussi, je ne vais pas te le cacher, pour gagner, parce qu'ensemble, on pourrait gagner. Gagner en France. Léon, toi, si tu deviens député européen, si tu es chef de file, ça a des chances de t'arriver, tu vas te retrouver à siéger au Parlement européen et à voter des trucs avec les autres membres de la gauche européenne. Est-ce qu'il y a une différence, une spécificité particulière Et puis, je vais même voter des choses, ça va peut-être vous choquer, avec La République En Marche, parce qu'en réalité, au Parlement européen, aujourd'hui, la gauche, 60% des votes se fait les accords sur les textes, 60% des textes sont votés en commun entre les députés européens de gauche et les députés membres de Renew, qui est le groupe européen de La République En Marche, d'ailleurs présidé par le président de La République En Marche, Stéphane Séjourné. Donc oui, on va voter des choses en commun, parce qu'on a des points communs. D'ailleurs, Manon l'a dit juste avant moi, nous avons
débattu pendant de longues heures autour d'un programme NUPES. J'ai participé pour l'anecdote à la construction de ce programme, aux échanges entre partis. S'est pas mal pris la tête. Et s'il y a bien un sujet sur lequel on s'est bien pris la tête, d'ailleurs, c'est les questions européennes, où au final, d'ailleurs, aucune des forces en présence n'avait la même ambition pour l'Europe. Alors là, je sais, Manon, elle va me dire, oui, mais tu comprends, c'est le chef de l'État, etc., qui a le plus gros point. Etc. En tout cas, on a des différences là-dessus. On a des points communs, on votera des choses ensemble, et j'ose croire, notamment sur la question du traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, je partage en tout point ce qu'il vient de dire. Après, ouais, on a aussi des convictions. Et moi, je souhaite pouvoir les porter, de pouvoir les défendre. Et dans ces convictions, il y a notamment, par exemple, la défense du mix énergétique nucléaire renouvelable. Nous le porterons dans la campagne européenne. Il y a l'ambition de lancer des grands travaux pour répondre à l'impératif environnemental et notamment soutenir la construction du Lyon-Turin. Il y a aussi la nécessité, par exemple, il y a un débat qui va se présenter très rapidement aux députés européens, c'est la question de l'élargissement de l'Union européenne. Ouais. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'Union européenne? Bon, nous, on est défavorable à l'élargissement de l'Union européenne, libérale telle qu'elle est constituée. L'Union européenne telle qu'elle est constituée, d'ailleurs, ce n'est pas que l'Ukraine, il y a la Moldavie dedans. Le SMIC en Moldavie, à combien il est par mois? Non. 50 euros par mois. Et moi, je vous le dis, vous n'allez pas dire aux ouvriers de Whirlpool de chez moi, qui ont vu leur usine délocalisée en Pologne parce que la manœuvre était moins chère, leur convaincre que l'élargissement est une bonne chose. D'accord. L'élargissement dans le cadre d'une Union européenne libérale, telle qu'elle est constituée, va mettre en concurrence les travailleurs. Moi, je me souviens en 2022, quand est née la NUPES, et ça a pas mis. Ça a été une surprise, hein, ça a été assez rapide. Quand même, rappelez-vous, sur ma chaîne, vous l'avez vécu, une présidentielle où ça se foutait sur la tronche sérieusement entre candidats. Des insoumis qui venaient sur mon plateau expliquer que jamais de la vie on fera des accords avec les socialistes, etc. Bon, bah, deux semaines plus tard, il y a eu un accord avec les socialistes et la NUPES était née. Les commentateurs politiques. On a eu un nouveau parti socialiste. Oui. Dont oui. Emma est une des représentantes. Mais justement, on va en parler. On attend les questions de Jean. On attend les questions, tu vois. Elle va vouloir faire de moi une insoumise pendant tout le débat. Non, mais justement, parce que les commentateurs politiques et autres streamers ont commencé à dire ok, l'union de la gauche, c'est sympa, mais il y a quand même des sujets qui fâchent. Il y a l'Europe, il y a le nucléaire, il y a la laïcité. Je vous la fais courte, c'est un peu ce que je disais moi à l'époque en stream. Est-ce que c'est toujours le cas, Emma? Moi, je crois que oui. Enfin, tout n'a pas disparu. Et puis d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on n'est pas un seul parti. À gauche, on est plusieurs partis qui portons des choses parfois différentes, qui portons surtout beaucoup de choses ensemble, mais qui gardons des spécificités. Moi, ces spécificités-là, j'ai pas envie de les renier. Je pense qu'elles font la richesse justement de l'union de la gauche. On a plein de débats. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que ce soit des débats qui n'empêchent pas l'union, mais qui ne soient pas des éléments de division qui ensuite nous amènent à nous écharper. Je vais faire un petit détour, mais moi je suis élue du 11e arrondissement, qui est juste, juste à côté. Ouais. Ce soir dans le 11e, au cirque d'hiver, il y a Éric Zemmour. Ouais. C'est là où toute la gauche fait ses meetings tout le temps pendant les élections. Bah, en fait, moi ce que je sais, c'est que j'ai envie de débattre avec Léon du nucléaire. J'ai envie de débattre avec Manon de l'Europe des nations, plutôt peut-être un élan fédéral. J'ai envie de débattre de tout ça, j'ai envie de débattre de l'OTAN, j'ai envie de débattre de tout ce qui par moment nous divise, etc. Mais ce que je sais et ce que je pense sincèrement, c'est qu'on a aujourd'hui un péril en Europe, mais aussi en France, et ce serait tragique de notre part de l'oublier, qui est cette montée-là de l'extrême droite et la montée des conservatismes de manière générale. Et alors qu'on a Éric Zemmour qui va répandre sa haine à quelques kilomètres d'ici, pour nous de finalement ignorer tout ce qui nous rapproche pour ne faire qu'un débat de nuances me semblerait assez irresponsable. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut les oublier. Pour toi, c'est un débat de nuances? Je pense que c'est des débats importants chez nous, mais je pense qu'il y a toujours, honnêtement, le socle de la gauche représente, je pense, 80-90% de points communs entre nous. Il suffit de regarder, tu l'as dit tout à l'heure, les votes au Parlement européen, il suffit de regarder ce qu'on fait aujourd'hui, hier encore, au Parlement en France. La motion de censure qu'on a défendue, bah, c'est 151 députés de la NUPES, qui a été portée par un député, Philippe Brun, qui est socialiste, et qui a été défendu par Philippe Brun. Et ben, moi, je sais qu'il y a des choses qui nous différencient, mais dire avec Léon, on a fait le débat de la présidentielle ensemble, je ne sais pas si tu t'en souviens. Avec d'autres, on a fait des débats ensemble. Bah, des débats pendant lesquels, effectivement, il y avait plein de sujets qui nous différenciaient, plein. Mais c'est pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Est-ce que c'est des différences indépassables? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne crois pas à la théorie des gauches irréconciliables. Ne ramenons c'est, pas. C'est pas ce que j'ai dit, commence pas. Mais dans le fond, c'est un peu ce que j'ai dit. Donc, ok, ouais. Non, mais d'accord. Manon, est-ce que tu penses qu'il est possible, raisonnable et sincère de dire aujourd'hui à des électeurs, vous inquiétez pas, on est alignés? Je pense qu'il est raisonnable et la preuve par la pratique. Si je prends certains des sujets qui ont été mentionnés, sur la question du mix énergétique, ouais. On a en 4 ans de mandat depuis que je siège au Parlement européen,
T'es une fois dessus, c'est la question de l'inclusion du gaz et nucléaire dans ce qu'on appelle la taxonomie, c'est-à-dire les énergies vertes. Et je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que le gaz n'est pas une énergie verte. Et c'est Macron qui a pactisé avec Orban pour protéger le nucléaire. Et j'entends les divergences sur le nucléaire, mais qu'il y a une divergence d'échéance, qu'il y a une divergence parce qu'on est tous, en réalité quand pour même, investir dans les énergies renouvelables. Et je te donne un cas pratique. Oui, peut-être sur un vote, sur ce sujet, on aurait fait différemment. Sur l'élargissement, je pense qu'on peut convaincre. Moi, j'ai voté contre les élargissements jusqu'à présent parce que je pense, en effet, comme Léon, que ça n'a aucun sens d'élargir l'Union européenne à des États qui ont aujourd'hui des normes sociales et environnementales beaucoup plus basses, et c'est élargir la compétition. Mais quand je discute avec les copains écolos, par exemple, avoir aujourd'hui des normes différentes en matière environnementale, ça leur parle. Et c'est, je pense, dans ce dialogue qu'on peut y arriver. Et surtout, moi, je vois l'exercice qui a été fait par les jeunes. Ça, c'est le programme donc, qui a été fait par les jeunes écolos, jeunes socialistes, jeunes générations. Comment et jeunes elles le volent. Dont Emma, comment je n'y ai pas participé. Vol, c'est un truc commun, putain. Non, justement, j'y ai pas participé. Démerdez-vous. Emma a participé avec notamment les jeunes insoumis. Et ils ont réussi, en mettant la question des appareils de côté, à se mettre d'accord sur 166 propositions. C'est pas rien. Est-ce que c'est parfait? Peut-être pas. Mais discutons-en sérieusement. Et d'ailleurs, il y a une échéance. Ce lundi, les jeunes NUPES ont donné rendez-vous à toutes les orgas de la NUPES pour qu'on se rencontre. Et oui, pour revenir à ta question, je pense que tout ça est dépassable parce que l'enjeu, c'est quoi derrière? L'enjeu, c'est un, pouvoir l'emporter face à Emmanuel Macron et Marine Le Pen et donner un souffle d'espoir pour la gauche pour 2027. Deux, c'est construire la crédibilité et répondre à l'aspiration d'une grande partie des électeurs de gauche. Je sais pas, là, les gens qui nous regardent et les gens dans la salle, il y en a peut-être qui ont voté pour la NUPES il y a un an. Et vous allez me dire, ou pour une des composantes de la NUPES à la présidentielle, je ne vous demanderai pas laquelle parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Et je vais vous dire maintenant, on repart chacun avec notre bâton de pèlerin, ou pendant un an, on va faire campagne en exagérant nos nuances, nos différences. Et qu'est-ce que tu fais de ça? Pendant 6 mois, tu crées ou t'exacerbes des nuances, soit supposées, soit réelles. Et dans un an, tu dis, ah non, mais tout ça, c'était du vent. Allez les gars, on va repartir ensemble pour la présidentielle. Tout ça, à la fin, ça fait qu'on crée du divergent plutôt que créer du convergent. Et à la fin, je te donne dans le mille, en 2026-2027, on ne sera pas forcément dans la meilleure position. Moi, je me souviens quand même sur mes plateaux en 2020-2021, avant la présidentielle, que des insoumis avaient un argumentaire hyper rodé pour justifier le fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir un candidat unique et que l'union n'est pas nécessaire. On peut avoir. Est-ce que moi, je te l'ai dit? Est-ce que je t'ai interviewé à l'époque? Je crois pas. Il y a des gens haut placés à la France Insoumise qui m'expliquaient que la soupe de logo, ça sert à rien, que on n'a pas. J'ai pris des cours d'histoire de gens qui m'ont dit écoute Jean, t'es gentil, ça fait 2 siècles que la gauche a différents partis, ça l'empêche pas de gouverner déjà, en commun, etc. Moi, à titre perso, je crois que tout mon parcours parle de l'unité. Je viens du milieu associatif. J'ai toujours essayé de créer du convergent, de travailler avec d'autres. Avant d'être élue, je travaillais à Oxfam. Donc, je travaillais dans un cercle d'ONG très large, avec des ONG environnementalistes, des ONG sur les questions sociales, etc. Et ensuite, il s'est passé plusieurs choses. Quand j'ai participé au négo du programme de la NUPES, ce qui était intéressant, c'est qu'une fois qu'on dépassait les supposés, les postures, l'histoire, c'est vrai, l'histoire, 2005, ça a scindé la gauche. Ouais. Moi, je fais partie du camp du non. Emma a sans doute été trop jeune à l'époque pour voter. Moi aussi, d'ailleurs, je n'ai pas voté en 2005. Je pense qu'aucun de nous trois, d'ailleurs, n'a voté en 2005. Non plus. Mais ça a scindé la gauche. Mais une fois qu'on avait mis ça de côté, en fait, on s'est aperçu qu'on pouvait créer du convergent sur la manière dont on s'y prendrait concrètement. Si demain, la Commission européenne nous dit qu'il faut privatiser Fret SNCF, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire, en fait, non, on ne va pas continuer à mettre des marchandises sur des camions plutôt que sur des trains. Et non, on ne va pas privatiser notre outil public pour pouvoir le faire. Emma, le Parti Donc je crois sincèrement qu'on peut y arriver. Le Parti Socialiste a une histoire particulière vis-à-vis de l'Union de la Gauche. Ça a longtemps été un parti hégémonique, ce qui lui a été reproché par ses partenaires, qui n'ont pas empêché d'être ses partenaires, parce qu'il y a un moment, il fallait bien gagner des élections, et que contraint et forcé, il y a eu, ou alors de bonne volonté, le programme commun, puis la gauche plurielle, etc. Aujourd'hui, le Parti Socialiste, de fait, de par le score de la présidentielle, est à la remorque de la France Insoumise. Est-ce que vous êtes soumis à la France Insoumise? Non. Comme on accuse parfois fort de l'être. Enfin, quand je dis 11, oui, pour moi. Mais... C'est pas toi, c'est certains qui, je pense, ont envie de tuer l'Union. Et moi, ce que je pense sincèrement, c'est que non, nous ne sommes pas soumis à la France Insoumise, mais aussi d'ailleurs parce que nous prenons, et là je vais parler plutôt des jeunes socialistes que du Parti Socialiste,
le débat dans un autre sens que d'ailleurs celui dans lequel Manon l'a pris. Quand on parle des élections européennes qui viennent, avec toutes les organisations de jeunesse de la NUPES qui ont accepté de participer à ce travail, jeunes écologistes, jeunes insoumis, jeunes générations et jeunes socialistes, nous avons décidé que nous n'avions pas envie de commencer le sujet et le travail en parlant de la liste. Nous n'avions pas envie de parler de l'échéance de juin 2024, ça va dans mais nous avons parlé de programme et de projet. Cela veut dire que ce résultat que Manon a, dont Manon a parlé tout à l'heure, il peut avoir plusieurs issues. Il peut y avoir l'issue de la liste NUPES, c'est ce que beaucoup souhaitent à gauche, mais cela peut aussi être l'issue d'avoir des travaux programmatiques continus, d'avoir un socle commun, un socle de propositions en cas de liste séparée. Moi, je pense qu'il y a plusieurs solutions et que ce n'est pas binaire, ce n'est pas tout ou rien. Et que, en l'occurrence, ce serait dommage de vouloir tout dramatiser parce que tout dramatiser suppose justement de ne donner aucune issue au débat qu'on se pose. Et donc, je sais que le Parti Socialiste a une responsabilité lourde, en l'occurrence, c'est l'histoire de la gauche et notamment dans ce qui s'est passé après 2012, après 2017. Le quinquennat de François Hollande a, je pense, détruit beaucoup de choses et je ne suis pas tout à fait la plus muette sur le sujet. Mais cependant, ce que je crois, c'est que c'est justement parce qu'on a vécu tout ça et parce qu'on est responsable, pas moi personnellement, mais ma famille politique, de cette histoire-là, que ça nous impose d'être peut-être les plus unitaires de toute cette équipe-là. D'être les plus unitaires, d'être les plus responsables. Okay. Et quand on dit, et quand Olivier Faure il dit on va faire l'union pour 3, pour 4, pour 5, ça veut dire qu'on va toujours être celles et ceux qui voudront faire l'union, mais on n'est pas non plus dans un rapport à l'autre et aux partenaires qui doit être justement celui de l'hégémonie. Léon, qu'on soit le respect. Léon, pourquoi est-ce que les communistes ne participent pas à ces discussions entre jeunes ? Vous l'avez fait en 2022. Les jeunes communistes ? Ouais, les jeunes. Ah non, communistes. Les jeunes communistes, non. En 2022, ils l'ont pas fait. Et en fait, je suis plus secrétaire général des jeunes communistes. J'ai passé la main le 9 juin. Bon, moi, de ce que j'ai compris, après, il y aura des lectures différentes. C'est que, pour le coup, Hassan n'a pas été, le nouveau secrétaire général n'a pas été invité. Mais quand bien même il aurait été invité, je vous rassure, il n'y serait pas allé. Alors pourquoi ? Non, mais pourquoi ? Mais il n'y serait pas allé parce que, tout simplement, les jeunes communistes, aujourd'hui, disent « Mais quelle est la préoccupation des jeunes ? Comment on va aller chercher les jeunes, leur proposer d'adhérer chez les jeunes communistes et de revenir à gauche alors même qu'ils s'éloignent de la politique ?» Eh bien, aujourd'hui, aucun jeune ne nous dit « L'enjeu... cette année, c'est l'union de la gauche aux européennes. Les jeunes ne nous disent pas ça. Les jeunes nous parlent de Parcoursup en cette rentrée, ils nous parlent de précarité étudiante. Et donc les jeunes communistes préféraient aller devant les universités, sur les lycées, etc., pour aller convaincre les jeunes de les ramener, plutôt que de s'enfermer dans une salle à quelques directions pour pouvoir faire un projet, pour faire un programme. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, moi, ce que je veux dire là, par rapport à la victoire, parce qu'on dit on peut gagner ces élections européennes. Qu'est-ce que ça veut dire gagner les élections européennes pour moi ? Pour moi, gagner les élections européennes, c'est faire reculer la droite, faire reculer l'extrême droite. C'est aller prendre des sièges à la droite et à l'extrême droite. Comment on va prendre des sièges à la droite et à l'extrême droite ? Si on fait une liste unique de la gauche NUPES aux élections européennes, le nombre de députés européens, au mieux, stagne, au pire, il diminue. Si on part séparé, selon les sondages, on gagne entre 5 et 10 députés européens de plus. Et ça, ces députés européens, on les prend directement à la droite et à l'extrême droite. Donc c'est une stratégie de victoire. C'est aussi une stratégie de victoire. D'accord. Mais en plus, on a des différences. Et moi, mes convictions et les nuances qu'on a, moi je souhaite pouvoir les porter, je souhaite pouvoir les défendre, y compris moi ma priorité c'est d'aller chercher les abstentionnistes, celles et ceux qui se perdent dans un vote d'extrême droite, et aujourd'hui il faut aussi qu'on en ait conscience, le discours qui est porté notamment par la NUPES a un effet repoussoir chez certains, et moi je le dis, on va pas aller arriver avec une tête de liste écologiste à convaincre justement celles et ceux qui sont victimes de la mondialisation d'aller voter pour la gauche. Moi les ouvriers de Whirlpool chez moi, c'est pas pour faire une focale sur Amiens, ils ne voteront pas pour une tête de liste écologiste. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne voteront pas pour l'écologie du tout ? Indépendamment de la tête de liste, la question de la convergence sur les programmes et les propositions, quand tu dis justement... Question de l'élargissement, par exemple, typiquement, ce serait se coller une balle dans le pied que de voter pour une liste qui va défendre l'élargissement de l'Union européenne, parce qu'ils ont tout à fait conscience que leur appareil productif est parti à l'Est, parce que justement la manœuvre était moins chère. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, prenons un autre exemple. La question du mix énergétique nucléaire renouvelable n'est pas une question anecdotique. Moi, je viens du département de la Somme, vous l'aurez compris. On est le département avec le plus d'éoliennes sur notre territoire. On a 750 éoliennes implantées sur le territoire de la Somme. Lorsqu'on voit le projet Négawatt, qui est soutenu par celles et ceux qui veulent sortir de l'énergie nucléaire, nous dire qu'il faut multiplier par 4 le nombre d'éoliennes, eh bien, je vous le dis texto, les gens qui habitent en face des éoliennes chez moi, ils ne voteront jamais pour une liste qui dit il faut multiplier par 4 le nombre d'éoliennes dans nos jardins. Ce n'est pas comme ça qu'on y arrivera. Et donc, on a des nuances, on a des différences. Ça ne veut pas dire qu'on ne votera pas ensemble sur tout un tas de sujets, mais on a des éléments programmatiques différents. Eh bien, allons chacun chercher justement
nos électeurs et permettons à la gauche justement de l'emporter, non pas en faisant 25-26% comme aux élections législatives, mais 35% et en permettant justement, pourquoi pas, d'avoir la moitié des députés européens. Manon, toi, ta crainte, c'est que toutes ces listes de gauche éparpillées arrivent loin derrière le Rassemblement national et Emmanuel Macron. Tu sais combien la gauche a fait en 2019 aux européennes en cumulé? Ouais. Je sais pas, 24, 25 33 ou 32, je crois. Ah ouais? Est-ce qu'on s'en souvient? Là, tu mets qui dans la gauche? Il y avait 5 listes, 6 listes de gauche. Le Parti communiste, en fait, Glucksmann, Place publique PS, LFI, Génération, Europe Écologie Les Verts. On compte 5 listes. On est à plus de 30. Est-ce que tu t'en souviens? Non. Non. Et ça a été quoi les titres des journaux au lendemain de l'élection européenne? Ça a été le Rassemblement national est loin devant et la gauche est éparpillée façon puzzle. Il nous a fallu 3 ans pour reconstruire derrière, 3 ans pour essayer de créer du convergent, 3 ans pour essayer de mener la bataille. Et oui, en 2022, avec Jean-Luc Mélenchon, on a repris notre bâton de pèlerin et justement, on allait convaincre les jeunes, on allait convaincre les abstentionnistes, on allait convaincre sur la base d'un programme qui était concret sur l'augmentation du SMIC, le blocage du prix, des prix. Et c'est sur ce programme qu'on a convaincu et qu'on a pu ensuite réunir. Et tout ça, on ne peut pas les raser, le supprimer d'un revers de main. Et je trouve... Par ailleurs, qu'aujourd'hui, le meilleur moyen finalement d'avoir une représentation de chacune des nuances, c'est aussi d'avoir une liste commune. Parce que je rappelle, aux élections européennes, il y a un seuil à 5% minimum. Si tu fais moins de 5%, tu as 0 député. Exactement. Ce qui veut dire, je ne le souhaite à personne, mais en 2019, tout le monde n'a pas fait 5%. Et donc, si on veut que toutes les nuances de la gauche soient représentées, ça permet aussi, dans une liste commune, de la NUPES. Et je le dis d'autant plus en étant à l'aise sur cette union que je préside un groupe au Parlement européen, dans lequel siègent les communistes, alors pas les communistes français malheureusement, parce qu'ils n'ont pas eu d'élus en 2019, mais l'ensemble des communistes de l'Union européenne. Et qu'il y a des dynamiques communes entre nos groupes de la gauche, des socialistes et des verts. On n'est pas d'accord sur tout, loin de là, en particulier avec les socialistes et les verts allemands, par exemple. Mais... Il y a un truc au Parlement européen que tu disais, Léon, et qui est très juste, c'est que, contrairement à l'Assemblée nationale, il n'y a aucun parti qui a tout seul la majorité. Du coup, même mieux, il y a deux groupes ensemble, ça ne suffit pas à faire la majorité. Donc, en fait, on est hyper puissant, même en étant... mon groupe, il fait 40 députés au Parlement européen. Eh bien, en fait, ces 40 voix, c'est les 40 voix qui ont fait la différence sur plein de votes récents. Je pense notamment à la loi sur la restauration de la nature, qui est un texte sur la biodiversité, mais il y en a plein d'autres. Parce que en face de nous, et je vais terminer là-dessus, la droite et l'extrême droite, eux, au Parlement européen, ils n'hésitent pas à s'unir de plus en plus, mais aussi les macronistes. Je rappelle que les macronistes, ils ont plusieurs partis dans la majorité. Il y a le Modem, il y a l'UDI, il y a les vrais macronistes pur jus de l'époque. Et eux, ils vont avoir une seule liste aux élections européennes. Parce qu'ils ont très bien compris que c'est le seul moyen d'être dans le match avec Jordan Bardella. Parce que s'il n'y a pas de liste de la NUPES, vous allez avoir 2 listes devant à plus de 20% et puis la bataille de petits chevaux. Bah moi, je vous le dis, je ne suis pas prête à faire la bataille de petits chevaux pour savoir qui va piquer un député à l'autre. Mais ce que j'ai envie, c'est qu'on soit dans le match face au Rassemblement national et face aux macronistes pour dire, en fait, les thèmes que justement on porte, les thèmes sociaux, les thèmes écologiques, contre les accords de libre-échange, contre l'austérité au niveau européen, pour un impôt de solidarité sur la fortune, pour refonder la politique agricole commune, etc. Je pourrais faire une liste très longue. Eh bien, ces thèmes-là vont exister dans une campagne, sinon je vous le donne dans le mille, c'est combien d'exilés on va renvoyer aux frontières européennes et moi je suis vraiment pas prête à ça. Léon, si tu fais moins de 5%, ça aura servi à quoi de faire campagne? Mais déjà je ferai plus de 5%, largement plus, parce que le discours qu'on est en train de porter. Mais avec des si on refait le monde. La réalité c'est qu'aujourd'hui les sondages, juste, comparé à 2019, Yann Brossa, candidat communiste en 2019, les premiers sondages lui mettent à 0,5-1%. À l'heure actuelle, les premiers sondages nous mettent entre 5 et 6%. Donc déjà, on part avec un niveau qui est plus haut. Et en plus, on a un projet politique aujourd'hui qui porte. Et la voix qui est portée singulière de Fabien Roussel, on doit pouvoir la représenter dans cette élection. Alors je sais qu'il y a du débat, je sais qu'il y a du clivage. Il en est qu'aujourd'hui, c'est la personnalité de gauche préférée des Français, y compris des électeurs de gauche. Et donc si on veut pouvoir aller chercher justement celles et ceux qui se sentent de gauche mais qui ne se sentent pas représentés par la NUPES, comment on va aller les chercher? Comment on va aller les convaincre? Moi, c'est la question que je me pose. Okay. Et la réalité, c'est pas que j'ai pas envie de piquer un siège à la NUPES, à la FI, à un siège au Parti Socialiste. Moi, ce que je veux, c'est aller piquer des voix au Rassemblement National et aller piquer des sièges au Rassemblement National. Et le meilleur moyen pour y parvenir, justement, c'est que chacun puisse y partir séparé. Si on fait juste un calcul, c'est une élection proportionnelle, toutes les listes au-delà de 5%,
ont des députés européens. Si on calcule à la proportionnelle, alors on a tout à fait intérêt que les quatre forces de gauche puissent dépasser les 5%, parce que ce qui nous permettra d'avoir le plus gros nombre de députés à la fin. Emma, toi, tu es la présidente, je le disais, des jeunes socialistes. Est-ce que les jeunes de la NUPES arrivent à peser sur les vieux de la NUPES? J'ai pas l'impression. Moi, je crois que si. Ah ouais. Mais alors déjà... Le... Les gênés, ouais. Non, moi je pense que tu sais, aux jeunes socialistes, on a toujours dit ça. Nous, on est l'aiguillon du Parti socialiste. On est ce poil à gratter, tout certains disaient. Et des plus âgés disaient, nous sommes les comme du vice. Ça, je ne l'ai jamais cru. Mais ce que je pense, c'est que une organisation de jeunesse, elle sert effectivement à bousculer ses aînés et à aller parfois un peu plus loin que ce que eux peuvent faire. Est-ce que ça a toujours un effet efficace immédiat? Pas forcément. C'est vrai. Mais ce que je sais, c'est que par exemple, pendant la campagne présidentielle, avec déjà beaucoup de jeunes d'organisations de jeunesse, pendant même la campagne, déjà, nous nous étions rassemblés pour nous poser des questions sur qu'est-ce qui se passait, pourquoi est-ce qu'il y avait autant de candidatures à gauche alors que l'extrême droite... T'étais pas là, Léon. Mais je te vois faire ta tête. Faut m'inviter. C'est bon. T'étais invité. Mais comme d'habitude, ils viennent pas. En gros, oh, on putain. Était... mais faites un groupe WhatsApp. On peut lancer des fake news. Allons-y gaiement. De toute façon, c'est comme ça qu'on bâtit l'union. C'est en balançant des fake news avec qui... Vous voyez, si on était ensemble, ça ne se passerait pas. Il a vraiment fallu que vous me fassiez. Tu connais pas les congrès du Parti socialiste. Vas-y, Emma. Ce que je veux dire, c'est que c'était pas pour objectif d'être un moment conflictuel, mais ce que je veux dire, c'est que les organisations de jeunesse ont toujours été des endroits où on se posait sans doute des questions avec plus de liberté qu'ailleurs. Et moi, j'ai aucun problème aussi à dire à tous les partis. Honnêtement, moi, demain, si on arrive déjà à se dire que en 2027, il va falloir qu'on mette toutes nos forces ensemble parce qu'on a un péril énorme qui est celui de l'extrême droite et que du coup, il faut qu'on arrive à travailler à des projets communs. Peut-être d'ailleurs sur les mêmes méthodes que les méthodes que nous avons choisies chez les jeunes. Parce que moi, j'entends ce que tu dis, Léon, honnêtement, sur la question du vote populaire qui aujourd'hui, effectivement, ne va peut-être pas de manière naturelle à la gauche. Il y a aussi parfois et un sentiment, et moi, je le ressens aussi, moi, je suis... militante jeune socialiste, donc je bouge partout, je vais voir mes jeunes dans toutes les fédérations, les jeunes militants socialistes, eh bien, je me rends bien compte qu'il y a beaucoup de territoires dans lesquels, quand on dit on est de gauche, les gens nous regardent et se disent vous êtes le camp qui nous déteste. C'est aussi un sentiment qui existe dans une partie de la population. Et ça, c'est notre défi. Et donc moi, ce que tu dis là ne me choque pas, je suis d'accord pour beaucoup de points. Juste que pour moi, ça ne doit pas être un échec ou un barrage pour faire l'union, ça doit être quelque chose qui doit être un coup de pouce pour nous transformer toutes et tous. Parce que la réalité, c'est que la gauche, tout ce qu'on se dit là, ça sert à rien si à la fin, on change pas la vie des gens. Et pour changer la vie des gens, il faut faire 51%, ou même 50,1. Vous savez quoi, je demande même pas 51. Venez la prochaine fois, on fait 50,1, et donc on essaie de changer la vie. Parce que moi, j'en suis persuadée, si c'est pas nous, rassemblés, ce sera l'extrême droite. Et cette réalité-là, elle doit, je crois, un peu nous faire bouger collectivement. Et moi, je ne demande que à faire des débats avec Fabien Roussel, avec toi, avec d'autres. Moi, je ne veux que qu'on débatte. Oui, on débat, c'est super, et on va le refaire. Et je ne demande que à continuer à faire tout ça. Mais ne partons pas du préalable que nous nous détestons trop pour discuter ensemble ou pour travailler ensemble ensuite. Moi, ce n'est pas mon préalable. Je vous ai invité tous les trois. Vous avez accepté direct et je vous en remercie. Ça pose la question de l'espoir et de l'avenir, c'est-à-dire est-ce que les jeunes qui ont des idées portées à gauche sont contraints et forcés d'avoir des batailles éternelles entre des chapelles où parfois il y a des subtilités qu'on comprend même plus. Et moi, vous savez que je parle à des gens qui sont un peu largués en politique et c'est bien normal. Et même parfois le jargon du débat est incompréhensible aux yeux des gens qui du coup lâche l'affaire, et ça peut se comprendre. Donc est-ce que c'est l'union qui réglera tout ça? J'en sais rien. Là, je me permets juste une petite... tout à l'heure, j'ai été interpellée par un jeune qui... je vais pas lui... Salut le jeune. Salut le jeune qui est là. Et en fait, qui m'a dit... j'étais à Alfortville parce que ça m'intéressait au meeting de lancement du Forum européen des jeunes de la NUPES. Oula. Et il m'a dit c'était trop bien, quand on a fait ça, quand on a lancé ce truc-là. Il m'a dit c'était trop bien et tout. Et je lui ai demandé, du coup, t'es où? T'es militant où? Parce que c'était globalement un rassemblement de militants. Et il m'a dit, moi je suis partout, enfin, en fait je suis nupécien, quoi. Moi je suis là parce qu'il y a ELV, il y a PS, il y a LFI, ça existe un peu partout, des gens qui sont pro-union, parce qu'en fait ils n'ont pas nos nuances parfois. Et je le sais aussi chez nous les socialistes, on a eu une vague d'adhésion folle depuis l'accord de la NUPES,
parce qu'on était le parti d'Olivier Faure qui avait fait cet accord de la NUPES en juin 2022. Oui, c'est ça, l'arc de rédemption dont on avait pas mal parlé. Non, c'est une blague, mais qui... L'arc de rédemption, j'aime bien. T'avais jamais entendu parler de l'arc de rédemption d'Olivier Faure ? Je vais le redire beaucoup, ouais, je vais le redire. Je le dirai à Nicolas Maillot-Rossignol quand je le verrai. Ouais, tu le diras, tu l'embrasses de ma part. Mais non, mais alors, puisque tu parles de ça et ça m'intéresse, et je pense qu'on va conclure là-dessus, est-ce qu'à terme, le but du jeu, c'est pas de créer un grand parti, comme a pu l'être le Parti Socialiste du Congrès de Tours, qui pendant un siècle a été la très grande maison, etc. C'est une question qui est posée par beaucoup de gens en disant, mais pourquoi est-ce qu'ils font pas un seul grand parti ? Une des questions qui est posée, c'est une fois, si on crée ce grand parti, est-ce qu'on vote, est-ce qu'on vote pas ? Quel type d'organisation ? Comment est-ce qu'on crée un grand parti de la gauche, etc. C'est la dernière question sur laquelle je vais vous lancer tous les trois. Donc allez-y pour votre bonne conclusion. Léon ? Je peux y aller, je ne crois pas. Parce que je pense pas que le sujet soit la question de l'union des gauches déjà en général, et encore moins celle de la création d'un parti unique. On a des différences, on l'a dit, et y compris personne ne le nie autour de cette table. Et donc ces différences doivent pouvoir être portées, d'une part. D'une autre, d'ailleurs, tu l'as toi-même cité, la SFIO, ex-Parti Socialiste, n'a pas pour autant permis justement d'arriver au pouvoir. C'est grâce justement le Front Populaire. Voilà, je vais prendre l'exemple du Front Populaire. C'est l'union de la gauche qui a permis. C'est l'union de la gauche, c'est pas un unique parti justement. Mais c'est toi qui plaides contre l'union aujourd'hui. Différence. Et donc aujourd'hui, le sujet est la différence avec le Front Populaire. J'en viens parce que le contexte avec le Front Populaire est un peu différent quand même. Le rapport de force, la gauche aujourd'hui, elle pèse 26% toute mouillée. Et tu l'as dit, Emma, il faut qu'on fasse 50% plus une voix, même pas 50,1, 50% plus une voix, juste une voix en plus, ça suffit. Et donc aujourd'hui, pour aller, l'enjeu, ce n'est pas l'union ou pas, c'est d'aller chercher justement ces électeurs. Okay. C'est de pouvoir chacun, avec nos petits bras, avec nos différences, pouvoir aller chercher justement celles et ceux qui se sont sentis trahis par la gauche, par le quinquennat Hollande notamment, et celles et ceux qui aujourd'hui, tout simplement, ne se reconnaissent pas dans les discours qui sont portés à gauche. Okay. Et moi, je vous invite à voir si demain... On a un second tour, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Les sondages donnent Marine Le Pen gagnante systématiquement. Et Fabien Roussel. Et ça doit nous alerter. Et Fabien Roussel. Parce que le grand impensé de la gauche. Ouais, Fabien Roussel gagnera haut la main. Mais le grand impensé de la gauche. Bah oui, j'en sais rien. Il est très apprécié par la gauche, mais il est apprécié aussi par l'ensemble des Françaises et Français. Mais la réalité, c'est que l'impensé de la gauche aujourd'hui, c'est le second tour. Et il faut qu'on se la pose cette question-là. Et oui, peut-être que demain. La gauche unie arrivera à accéder au second tour, mais si c'est pour perdre face à Marine Le Pen, eh ben je pense que ce serait catastrophique. Donc allons chercher, pour l'instant, la question de 2027, c'est pas à l'ordre du jour. Allons chercher chacun justement des électeurs, allons les convaincre de revenir à gauche, et après on verra. Et séparés, on est plus efficace qu'ensemble. J'ai compris l'argument. Emma, est-ce que demain il y aura un grand parti ? Moi, je sais en tout cas que la question des nuances n'a jamais empêché de cohabiter dans un parti. Le Parti Socialiste... C'est un siècle de PS qui parle. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je pense que le Parti Socialiste a été aussi un grand parti parce qu'il a réussi à faire cohabiter des Rocard et des Mitterrand. Des Mélenchon et des Valls. mais tout ça est vrai. Mais oui. Et tout ça est vrai. Et donc, moi, j'en parlais il n'y a pas très longtemps. J'étais avec... les jeunes socialistes à Marseille, où il y a cette expérience du printemps marseillais quand même assez inédite, d'union de la gauche assez forte, mais où cohabitent aussi des nuances et différents partis politiques. Moi, ce que je pense, c'est que ce dont nous avons besoin, c'est un approfondissement de l'union de la gauche, c'est-à-dire un vrai cadre de travail dans lequel nous pouvons faire des choses ensemble. Typiquement, et moi je vais parler de 2027, tu dis que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais moi je pense que ça doit rester aussi à l'ordre du jour, notamment pour la gauche et dans ses victoires et dans ses projets de victoire, nous devons réfléchir au cadre dans lequel la gauche ne s'écharpera pas pour désigner son candidat ou sa candidate pour l'union en 2027. J'ai l'impression que tu veux parler de primaire, mais que tu ne veux pas prononcer le mot. Moi, je suis pour les primaires, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais je dis juste que ce cadre, aujourd'hui, il n'existe pas. Et en fait, il y a un pas entre cinq partis ensemble qui travaillent de temps en temps, font une réunion par mois et ensuite s'insultent via médias interposés, mais font ensemble des textes de loi au Parlement, et le parti unique. Et je pense que c'est dans cet espace-là qu'il faut qu'on avance, en effet, rien que pour que le respect soit la règle entre les différentes composantes de la gauche. Moi, depuis... je vous le dis comme ça, j'en ai parlé avec Manon, j'ai pas eu l'occasion de t'en parler Léon ou à d'autres, mais je l'ai dit à Hassan, qui est le président des jeunes communistes, quand, depuis la fête de l'UMA, je vois, et à la fête de l'UMA déjà d'ailleurs sur ton plateau, j'ai vu des gens s'écharper, de faire des choses, etc. Mais moi, j'étais consternée. Non pas parce que j'ai envie d'être team quelqu'un ou team quelqu'un d'autre, mais je me suis dit, mais quelle image on donne de la gauche
quelle image on donne de la gauche au peuple de gauche qui n'attend qu'une chose de nous, c'est qu'on soit suffisamment responsable pour demain être capable d'arriver au pouvoir. T'es d'accord, et ce respect, il est essentiel. Pour dire que Mélenchon donne une mauvaise image de la gauche ? Bah, je pense en tout cas que certaines sorties, oui, en effet, ne donnent pas une super bonne image. Okay. Et moi, je suis en effet, j'espère que tout le monde va arriver à être un peu responsable demain. Sinon, on ne gagnera pas. Manon, y aura-t-il un grand parti de la gauche diverse, pluriel ? Je pense qu'il faut y aller par étapes. Okay. Un peu comme une relation d'amour. Si tu tombes amoureux de quelqu'un, ouais. Tu ne vas peut-être pas emménager tout de suite pas avec suite. La personne. Mais petit à petit, tu vas essayer de construire un truc. Ok, ok. Bah voilà, moi c'est ça la que je propose. La première étape, c'était la NUPES. La première étape, c'était le coup de foudre. Ouais. On s'est retombé les bras l'un dans l'autre. Un peu contraint et forcé quand même par les événements. Bah, il y avait le couteau sous la gorge de personne. Et il y avait le besoin. De... Ouais. Bon, on va pas refaire la NUPES. De un et de deux, je rappelle que la NUPES l'a emporté en termes de voix au premier tour des élections européennes. Alors oui, on n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, c'est vrai, mais c'est législative, merci. Au premier tour des élections législatives. Et c'est pas rien parce que ça a permis d'élire 151 députés, ouais. Maladies, qui travaillent au quotidien ensemble à l'Assemblée nationale, qui font des propositions de loi et loin des invectives ou des trucs comme ça. Donc, si tu veux construire ta relation d'amour, il faut la tester, il faut des preuves. Il ne faut pas traiter de nazi son conjoint, par contre. Je pense qu'il ne faut pas traiter de nazi son conjoint et je ne le ferai pas. Et je pense qu'il ne faut pas dire, par contre, que dans 3 ans, dans tous les cas, on ne sera pas ensemble. Parce que si dans 3 ans, dans tous les cas, on n'est pas ensemble, tu n'es pas très crédible à construire une relation d'amour. Non, mais donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on construise cette relation d'amour. Ouais, ouais. Et que pour ça, il faut des preuves d'amour et qu'on le fasse dans les mois qui viennent. Les élections sont une des étapes de cela. Mais puisqu'on a pris référence au Front populaire, le Front populaire, il s'est aussi construit localement. Et nous, ça fait partie des choses qu'on a proposées, de construire le Front populaire localement, donc la NUPES localement, forte à la fois de ses composantes politiques, de ces jeunes dont parlait Emma, qui n'appartenaient à aucune formation politique. Peut-être qu'il y en a dans la salle et qui se sont dit « Oh putain, chouette, ils me font enfin envie ». Enfin, il y a cette perspective de victoire, enfin, il y a cet espoir, enfin, on peut gagner. Et notre génération n'est pas condamnée à choisir entre Marine Le Pen et les macronistes et pas l'union pour l'union, parce qu'à la fin, on va changer, y compris la vie des jeunes, quand on parle d'un RSA pour les moins de 25 ans, d'une allocation d'autonomie, etc., tout ce qu'on raconte pour les jeunes. Et donc, si on est à la hauteur de ça, bah, à la fin, on peut y arriver. On peut y arriver si on le fait avec ces jeunes et ces gens qui n'étaient nulle part, avec les forces associatives et syndicales, c'est le sens aussi de la mobilisation qui a été faite. J'aurais été souhaité qu'elle soit plus large, mais plus de 150 organisations qui ont marché le 23 septembre dernier. Et petit à petit, on va construire notre maison commune. Et peut-être que notre famille se multipliera et qu'on un plein d'enfants. Très heureux. Voilà. Ok, non, mais voilà. Merci vraiment du fond du cœur à tous les trois d'être venus expliquer vos points communs et vos divergences. Merci à vous. Je vais rendre la parole à Malek. Mais Malek, il n'a pas l'air d'être là. Si, il y a Malek qui est en train de courir, c'est incroyable. Chers amis, on continue Paul & Chill. On continue Paul & Chill et on continue le programme. Je vous laisse entre les mains expertes de Malek. Et à plus tard. Ciao.